Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on est parti pour une vidéo récap. Voilà, on fait une vidéo récap un peu sur tous les talent trees de tous les personnages. Je sais que c'est beaucoup de questions à chaque fois sur les talents ou est-ce que t'as pas un talent, etc. Et je me suis dit pourquoi pas dans ce cas faire une vidéo récap un peu de tous les talents du coup qui sont utilisés, que j'utilise sur le jeu. Alors du coup dans cette version là les gars, vous allez voir, il y a des talents qui sont exactement semblables à ce que j'ai pu poster sur Discord. Et je suis aussi allé vous chercher 2-3 talents pour certains persos, pas tous évidemment, qui seront un peu différents de ce que je vous ai posté sur Discord. Alors évidemment, les deux sont bons, d'accord, et les deux ne sont pas mauvais, d'accord. Après, à vous de voir avec lequel vous vous sentez plus à l'aise, avec lequel vous trouvez qui semble le mieux, d'accord. Il n'y a pas de préférence, et voilà, c'est à mon sens, c'est de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu échanger, de ce que les gens ont pu tester, etc. Donc voilà, les talent trees, l'herbe de talent, viennent voilà, de ce que j'ai pu trouver sur YouTube, de ce que j'ai pu trouver, de ce que j'ai pu échanger avec des amis sur le jeu, de ce que j'ai pu tester aussi moi-même, etc., etc. Voilà, donc après, avec l'expérience, voilà, sur toutes les saisons. Du coup, on va commencer, donc la liste sera longue, évidemment. On va commencer du coup avec Lilia. Lilia, du coup, on se prend pas la tête, on part directement sur ce talent tree là. Bon, je pense que très très connu, d'accord. Il y a pas de grand changement. Hein. Alors, sur la branche principale, en général, je pars quand même. Pour vous sachiez comme ça, je le dis pas à chaque fois. Je pars sur de la vitesse de marche, d'accord, pour toutes les unités, sauf lymphe ou sauf des commandants spécifiques à garnison. On s'en fout, un mec qui est en garnison, on s'en fout qu'il y ait de la vitesse. Et l'infanterie, est-ce qu'on s'en fout, est-ce que c'est important ou pas qu'elle ait de la vitesse? Pour moi, c'est plus important qu'elle ait un peu plus de défense que de vitesse. Après, il y a les deux types, il y en a qui prennent la vitesse et la défense, comme je vous dis, dans les deux cas, c'est pas forcément mauvais, c'est vous comme vous vous sentez par rapport à ça. Voilà. Peut-être qu'à certains moments, la vitesse est mieux, d'autres moments, la défense est mieux. Voilà, à vous de voir, à vous de tester en fonction des open field, des fights. Et dans les deux cas, ça changera pas grand-chose. Alors du coup pour elle, du coup évidemment on part sur le premier la première phase, donc on part sur compétence évidemment, on augmente l'attaque des unités de la légion, ensuite forcément les dégâts de compétence, d'accord, évidemment on augmente la tête haute pour essayer d'avoir un peu plus de rage si on peut, esprit de rage évidemment, derrière vous avez le choix, donc c'est toujours la même team, soit vous prenez sur inflige des dégâts normales en moins pour avoir plus de dégâts de compétences, d'accord, parce que vous savez très bien que l'IA c'est un perso qui focus les dégâts de compétences, ou sinon vous pouvez partir aussi sur là, sur ça, volonté inébranlable permet à votre légion d'ignorer 2% des PV ennemis, voilà. Également vous pouvez partir après pour partir sur concentration et après sur marée violente 5 sur 5 qui du coup carrément de 15% des dégâts critiques de compétences de héros. Il y en a qui prennent ça aussi, why not, je pense que ça c'est quand même plus intéressant. Et en dernier, on prend animal en cage. Ensuite, concernant la magie, on part sur la branche magie, on va partir sur des PV. Ensuite, moi je conseille de partir sur toujours de la rage. Après, on part sur les dégâts de compétences de héros. Et on finit après par Maelstrom, qui évidemment est plus intéressant que l'autre. Le petit point bonus, j'ai décidé de le mettre du coup sur la move speed. Autant prendre 3% de move speed ou 2% de move speed autre part que de prendre voilà, 1% ou 0,4% de dégâts ou de défense. Je trouve que c'est quand même plus intéressant. Concernant Véline, alors Véline qui en soi, voilà, que je rappelle, hein, quand c'est un commandant secondaire, vous ne le mettez pas en l'arbre talent, l'arbre talent n'a pas d'intérêt. Mais voilà, pour ceux que ça peut intéresser, voilà l'arbre talent que je peux vous proposer. Alors il y en a d'autres hein, qui existent. On peut partir, il y en a qui partent sur le PVP carrément et qui vont passer de côté là. Moi je propose celui-là. Donc du coup, pareil, même branche de départ. Après on part sur la move speed. On part ici. Sur de l'attaque, de la rage, ici saut du cyclone, d'accord. On part en sur une voilà, quelque chose de plus contre, sur ce qui est plus de contrôle, d'accord. Donc ralentissement, etc. Inflige des dégâts de compétence, ici cassure de def, ici synergie, d'accord. Donc voilà, encore un debuff, et ici on silence l'adversaire. Ensuite on part sur de la magie pour finir, donc PV, rage, dégâts de compétence. Et ensuite, Maelstrom, évidemment, le point bonus est attribué à la move speed. Comme je vous dis, ça, en général, ce côté-là, il ne bouge pas, mais c'est soit ça, ça dépend, évidemment. Après, ouais, vous faites un truc un peu semblable. Si je devais partir sur ce côté-là, je partirais peut-être plus sur ça. Après, sur compétences de compétences. Hop. On partirait, du coup, sur armée de valeur. Pourquoi pas partir sur
plus de capacité, hein, parce que fumité du coup on fera forcément plus mal. Ça peut être intéressant. Après, sûrement peut-être sur Puffisance, c'est peut-être faire encore plus de dégâts. Et après, pourquoi pas ça? Combattant obstiné. Et on finirait sur, à mon avis, l'âme de percée. Voilà un peu pour l'autre but pour Véline. Mais bon, en général, vous sortez lié à Véline, vous sortez pas d'autres commandants, quoi. Concernant Osk. Osk, du coup, vraiment, ça fait vraiment hyper mal en termes de mérite, etc. Donc, Osk, Kinara en deuxième. On part sur le build, ce build-là. Pourquoi? Alors, on peut partir aussi avec de la vie, hein. Étant donné que c'est une unité qui est juste là pour résister et prendre des dégâts pour après en renvoyer plein. Mais le Mousfi, je trouve que c'est quand même toujours intéressant. Ensuite, on part sur dégâts. Oh pardon. Dégâts. Hop, counter-attaque, évidemment. Et après, invincible. Ensuite, ici, la branche principale au milieu, on prend 5 partout. Hein, donc évidemment pour des dégâts, de la rage, encore des dégâts. Après, sur le côté, on prend ici et ici, d'accord. Toujours des dégâts. Là, du coup, on est à plus 4% de dégâts critiques d'attaque normale en plus. Ici, pour afficher fragilité. Et j'ai mis deux petits points ici pour ignorer voilà, la def de l'ennemi. Voilà, voilà un peu le build. Ça, pour le coup, c'est un build commun que vous verrez partout chez tous les osques. Donc, en général, c'est ce build-là et pas un autre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le partager sur le Discord. Ça peut être toujours intéressant de le voir. Mais voilà, c'est vraiment le build que 95% des joueurs utilisent. Concernant Kinara, on va faire qui? On va faire Osk, on va faire Kinara, ce sera fait comme ça, on fait la paire. Alors Kinara en soi qui est utilisé normalement en second maintenant, mais pour ceux qui sont dans d'autres saisons et qui n'ont que Kinara, je vous propose du coup un arbre de talent comme ceci. Même base, ici on part sur le parti contrôle, donc vitesse évidemment, dégâts critiques, enfin dégâts critiques, counter-attaque je veux dire, et dégâts. Là ici, il peut faire partir sur rage, pourquoi pas, hein, pourquoi pas rage, écoutez. Comme je vous dis, il y a différentes façons, d'accord. Donc c'est pas déconnant quoi. Ici, contre-attaque, octroie 10%. Ok, ça c'est bon. Inflige des dégâts de compétence. On prend. Alors, ici, on passe ici. Donc, assure de def, évidemment, avec du coup le synergie sage. Et après, réticent, hein, comme vous savez, le silence. Le point bonus, du coup, j'ai mis de ce côté. J'ai mis directement ici, d'accord. Pour afficher, du coup, morosité. Et du coup, après, on part ensuite sur le. En gros, le PVP. Augmente l'attaque, la vitesse, les dégâts de compétence de héros. Et du coup, ici, augmente les dégâts infligés de votre légion au combat de 1% toutes les 10 secondes. Donc, armée de valeur. Voilà un peu le build pour Kinara qui me semble voilà, très. On va dire très, très correct. En tout cas, si vous sortez comme ça, vous allez faire mal. Emrys, on est parti vraiment. Sur un build Mousspeed. Hop, un petit bourge d'eau. On est parti vraiment sur un petit build Mousspeed. Donc voilà, le truc de base. Donc là, on va pas chercher les dégâts, on va vraiment chercher la mobilité. D'accord. Donc du coup, pour ça, on part évidemment ici. Mobilité, on prend un peu de dégâts au passage. On prend tir chanceux. Et ici, mobilité. En plus, ici, après, vitesse globale. On part ici, évidemment, célérité, d'accord. Alors ça, c'est célérité, en fait, dès que vous attaquez une légion. D'accord, donc ça peut augmenter, vitesse globale évidemment. Ici, dès que vous passez un point de ressource ou autre, donc très important quand vous allez tuer les farms. Hop, encore un peu plus de dégâts, un peu plus de dégâts et de vitesse de marche. Et également encore de la vitesse de marche. Voilà un peu, les deux points bonus du coup ont été mis ici sur le move speed. Concernant du coup Bakshi, alors Bakshi du coup, je voulais build... Comme ceci, alors il y a comme ceci ou comme cela, il y a deux maisons si vous voulez. À vous de voir, d'accord, ce que vous préférez, d'accord. Du coup, on va parler de celui-là, donc du coup, pareil que de base, ici on part sur attaque, attaque, de la rage en plus, sans bouillonnant. Il faut faire encore plus mal. Évidemment, ici du combat, donc voilà, pour ignorer 2% des PV ennemis, hyper important. Concentration évidemment, marée violente hein, pour les dégâts critiques. Et après ici, animal en cage. Pourquoi préférer à celui-là parce qu'il semble quand même mieux en termes de dégâts. Après, ensuite, move speed, ici attaque de cavalerie. On part après ici sur des compétences de héros. Et ensuite, on part sur férocité parfaite.
Le petit point bonus, du coup, j'ai essayé de le mettre du coup dans le poussé de Raylene, histoire d'avoir un chouïa de dégâts en plus, étant donné qu'il n'y avait pas de move speed de disponible. Pour l'autre schéma, pour ceux qui veulent, du coup, on peut partir du coup ici sur affiche dégâts de l'attaque normale en moins pour 8% de dégâts de compétences en plus, d'accord. Et ici de la rage, eux de prendre les critiques, voilà. Tout est possible. Alors, du coup, on partirait plutôt sur l'autre ici en compétences. À vous de voir, c'est pas déconnant, ça peut se faire aussi. Est-ce que ça va créer un énorme gap? Non. Est-ce que ça peut créer une petite différence? Peut-être. Voilà. Donc je voulais essayer. Mais voilà, moi je partirai plus sur celui-là. Mais si vous partez sur celui-là et vous avez commencé, c'est pas grave. Il est très bien aussi. Ne vous en faites pas, vous pouvez quand même largement l'utiliser. Ensuite, on va partir sur notre cher ami Forondil. Donc Forondil, on est sur un arbre de talent autre que ce que je vais proposer. Moi je vais proposer cet arbre-là, d'accord, que je vous ai mis du coup sur mon Discord. Et du coup aujourd'hui on va parler de cet arbre-là, d'accord, donc différent. Donc avec l'attaque, la vitesse et infliger des dégâts, ok. Après on part évidemment chercher armée de valeur. Vous pouvez voir qu'on cherche toujours, grosso modo, toujours les mêmes, hein, et ça change pas vraiment. Après ici, move speed, attaque. On peut prendre aussi ici à la place si vous préférez. Et feu du cyclone. Ensuite, le point bonus sera là-dessus. Moi je prends. Pourquoi? Parce que du coup, c'est un point qui permet du coup de ralentir la légion. Pas mal de la ralentir pendant 10 ans. Je pense que c'est déjà très intéressant de la ralentir à 6%. Ça me paraît déjà correct. Je préfère mettre des points à côté en plus. Du coup, dégâts de compétences, évidemment. Cassure de def. Et ici, sage encore. Et puis on finit avec un petit réticent. Voilà, c'est un autre arbre que je propose par rapport à celui-là que j'ai proposé sur le Discord. Les deux se valent, les gars. Les deux se valent. À vous de tester, vous de voir. Faites-vous votre propre opinion. Et puis vous me lirez également en commentaire ou n'hésitez pas aussi à me faire un retour sur Discord. Concernant Teia. Alors Teia, en soi, il n'y a pas besoin de build de talent parce que c'est un personnage qu'on met toujours en second. Mais pour ceux qui commencent le jeu, qui ont Teia, ou ceux qui aimeraient Teia sortir Teia en premier, j'en vois quand même beaucoup sur le champ de bataille, voici l'arbre que je vous propose. Le même build qu'au début. Alors ici on va partir sur des PV, de la rage et un petit bouclier, parce que c'est très bien que Teia donne un bouclier. Ensuite, un peu de PV, etc. Ok, intéressant. Attaque move speed, évidemment. Teia bouge très lentement, donc on va faire quand même un peu de move speed, histoire de bouger un petit peu quand même. La move speed, malgré tout, est quand même important, faut le savoir, sur le jeu. Évidemment, dégâts de compétences du héros. Armée de valeur, évidemment. Là, du coup, on part plus sur la move speed, histoire qu'elle aille quand même un peu plus vite, parce que c'est qu'elle est un peu lente. Du coup, on rajoute quand même un petit point bonus sur cet arbre. On le mettra sur la capacité militaire. Voilà, plus 300 mecs, ça coûte rien, ça fait toujours 7 plus. Ensuite, on partira du coup sur perfectionnement pour avoir plus de dégâts. Et combattant obstiné, d'accord. Et ensuite, on finira du coup par lame de percée avec le casseur de def. Voilà, c'est un arbre qu'on peut sortir. Comme je vous dis, Teia, c'est un passage en second, donc faut pas l'arbre, c'est pas grave. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix que de la sortir, vous avez un arbre ici qui semble tout à fait correct. Ensuite, on passe sur Madeline. Madeline, on va faire deux builds de défense différents. Un build où on va jouer Madeline Garwood, d'accord. Donc on part sur le build comme ça. Moi, je pars sur ici plus de def que par rapport à santé. Ça se vaut. On peut partir sur la rapidité, eux d'avoir de la défense. À vous de voir, d'accord. Moi ici, ensuite, je pars sur ici def évidemment et pris ici. Pareil, on peut switch et mettre 5 ici et 2 ici. D'accord, c'est convenable aussi. Un peu plus de soins, forcément, avec Garwood. Ici, on part sur tête froide. Ensuite, on part évidemment sur conquête totale, d'accord, pour des dégâts en moins. On part ici sur généraliste. Intéressant, évidemment, dernière parole pour du counter-attaque. Et ensuite, on part sur augmenter le bouclier reçu par la Légion, évidemment, avec Madeline. Protection sur des flancs, si on est encerclé. Et un peu de rage. Et on finit ici avec volonté de fer. Voilà, pour moi, c'est un build qui est très convenable concernant pour Madeline. Alors on aurait pu prendre ça aussi, mais moi ce qui me dérange toujours c'est 10%. Ouais. Autour 10%, mais 10% sur un combat c'est pas beaucoup quoi. Donc c'est pour ça que du coup je suis pas trop pour les trucs où il y a toujours 10%, 5%, 15% de chance de. Vaut mieux mettre quelque chose où on est sûr. Concernant Goresh, donc le nouveau personnage qui est sorti. Il y a voilà, une petite différence, pas énorme, mais une petite différence quand même. Donc du coup pour Goresh, ici on partirait plus sur ce côté-là, d'accord, avec intimidation et poussée d'adrénaline.
Après, ici, on partirait plus sur ça, mais on partirait sur ça. Et pourquoi pas mettre 2 points ici. Bah, écoutez, voilà. Pourquoi pas, c'est, ça a toujours 10% de chance, mais voilà, c'est un but que j'ai trouvé en tout cas sur la tête pour Goresh. Apparemment, c'est ce qui est intéressant. Alors, c'est pas les 2 points ici qui feront toute la différence, hein, clairement. Si vous voulez essayer de pas les mettre là et les mettre là-dedans, vous pouvez, il n'y a absolument aucun souci. Voilà, je vous propose juste le build que j'ai trouvé. Que, voilà. Apparemment, il semble bien. Je joue pas Infanterie, je joue pas Goresh, mais voilà, je vous propose le build qui apparemment semble bien pour les gens qui le jouent. Ensuite, on part sur Théo. Alors, pareil, Nika, j'y passe pas parce que Nika, c'est un personnage qui est full, qui est second, donc ça n'a aucun intérêt pour le coup. Et vous le verrez jamais en premier, quoi. Donc, je vous montre pas. Donc, vraiment, les personnages légendaires intéressants. Théodore, on part sur 2 arbres. Le premier, pour ceux qui veulent sortir en open field. Même base, ici, on part sur attaque, compétence. Et après, rage, et après, derrière, on part sur sans-bouillant. On part sur la fameuse triplette en haut, d'accord. Donc, ignorer la vie, dégâts ici, critique ici. Et après, on part sur animal en cache, d'accord. Ensuite, ici, move speed, dégâts, compétence, et après, fausseté parfaite. Voilà, évidemment, parce que l'autre n'était pas intéressant. Ensuite, pour ceux qui le mettent en garnison, d'accord, en défense de ville, très bon défenseur de ville. Attaque globale, évidemment défense, pas de vitesse, ça sert à rien. De la vie ici, après ici, on part ici, attaque, on part intimidation, counter attaque, j'ai mixé un peu les deux, ce que je veux dire, voilà, on peut faire un max des deux, avec un peu de rage aussi, et après sanglonnant. Du coup, sur l'arbre raniment, on part sur la garnison avec de la vie, de l'attaque, et counter attaque de garnison, d'accord. Après on part évidemment ici, défense équitable, hyper important, avec après synergie de garnison. Arrogance, ici après on part sur carnage de garnison, d'accord. Et après on finit sur redoutable. Le petit point bonus sera attribué à résistance de la garnison, histoire d'avoir 1% de dégâts en moins. Donc voilà l'arbre pour Théodore. Ensuite, pour Nico, ici, bam, Nico. Alors Nico, pour ceux qui le jouent en primary, en premier commandant, donc du coup même base avec la move speed ici, derrière on part un peu, c'est un peu comme os en grosso modo, hein. attaque vitesse, counter attaque ici, tourbillon, après on prend la lignette au milieu, d'accord, donc hop, comme sous pression ici, tête haute. Alors là normalement j'aurais dû mettre 5 sur 5 en force de volonté, et ici mettre 3 sur 5, enfin 2 sur 5. Après bon, c'est pas déconnant non plus, hein, ok. Mais ici c'est plutôt 5 sur 5 ici, force de volonté. Et ici du coup, ça va défendre ce point. Donc là si c'est 3, c'est 5 sur 5, là du coup ce sera 2 sur 5. Intrépide, après ici irrépressible en combat, ignore 2% de la défense ennemie. Et après suppression, intéressant aussi. On finit du coup après avec une marque de la guerre. En général, pour info, Nico est rejoué avec Kinara en second. D'accord, c'est un bon pairing si vous avez d'autres commandants. Ensuite, on part sur Garwood. Garwood, je vais vous proposer une, deux builds en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, si on part sur un build qui est, voilà, où vous mettez Garwood en première position, par exemple, et Madeline en deuxième, du coup, on partirait sur ce build-là, d'accord. Donc, on partirait là sur de la def, un peu de vitesse, ça, c'est le point bonus. Égoïste, d'accord, 4% en moins, un peu, évidemment, de soins avec tête froide ensuite. Pour la suite, on partirait après en tank, d'accord. Donc en tank, on partirait sur de la défense, des dégâts subis en moins, du heal et de la défense impénétrable. Ensuite, on partirait sur ça, d'accord. Donc on TPV, tendon d'acier, bouclier solide, et après on finirait par un cœur de fer. Pour ceux qui veulent l'utiliser en garnison, why not, c'est possible aussi, c'est possible aussi. C'est pas forcément le meilleur, mais pourquoi pas, d'accord. On n'est pas tous à jouer en saison de plus, donc ça peut être intéressant. Donc là forcément on change, on passe plus en move feed, on passe en défense. Et là du coup on passe défense, il part ici en attaque, 2 points ici pourquoi pas. Évidemment, riposte de garnison au max, défense équitable évidemment. Détermination, d'accord, avec garnison robuste, arrogance, grincheux, résistance de garnison, carnage de garnison, tout au max. Et on finit après par redoutable. Voilà pour ceux qui veulent le jouer en, en garnison, voilà. Ensuite, on passe sur les 3 derniers commandants qui vont sur mon père. Alors, pareil, je vais vous montrer
un build pour FF. Alors évidemment, Frégar, c'est un perso qu'on joue en second, pas en premier, mais bon, il y en a aussi qui le jouent quand même toujours en premier, et donc du coup, ça peut être intéressé. Pour ça, on partirait sur ce build-là au début, on partirait ensuite après sur attaque de tir d'élite, boost speed, compétences, et après dans le mille. Ensuite d'ailleurs, on part sur les PV, un peu de plaisir, entre guillemets, de la counter-attaque, et après, on part sur track. Pour finir, on finit en mobilité pour avoir un peu de move speed. Donc, move speed ici. Ici, move speed aussi. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'elle va attaquer, bam, pour avoir une vitesse de déplacement. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de mobilité, les gars. Surtout qu'en plus, les archers ont peu de mobilité. Évidemment, counter-attaque au max. Hein, le petit point bonus sera du coup, évidemment, encore en mobilité. Et on finira après par prévention préventive. Hop, pour Syndrion, le fameux Syndrion. Bon. Là-dessus, pas de sous, pas de secret, on part quasiment sur le build de Hosk. Donc ici, ça change pas. Attaque, move speed, attaque. Ici, on met deux poussées derrière la ligne, d'accord. Alors, on pourrait également mettre la counter-attaque si vous voulez. On pourrait mixer avec les deux, pourquoi pas, ça peut être intéressant. À voir, à vous de voir les amis, c'est pas déconnant. Tourbillon, après ensuite, évidemment, cap sous pression, la tête haute. Oh, oh. Force de volonté, tout en 5. Ici on met intrépide et inarrêtable en 5. Et ici après on met suppression en 5. On pourrait mettre ça, oui, ce serait pas déconnant non plus. On pourrait mettre ça, donc on pourrait enlever les deux ici et mettre les deux là si vous voulez. Pourquoi pas les amis, pourquoi pas, ça se fait. Il y a toujours les petits, voilà, les petites différences, des petites nuances. C'est vous qui voulez les gars, vous qui voyez. Il n'y a pas de souci, tout est bon, ça reste totalement jouable, d'accord. Vous avez quand même la base. Et pour finir ce guide sur les légendaires, on va faire... Du coup, Goresh, d'accord, le nouveau tank de la saison qui est arrivé. Donc, on partirait du coup sur ce build-là, d'accord. Donc, évidemment, on partirait là-dessus. Moi, je préfère favoriser sur les tanks qui ont plus de défense. Qu'en gros, ça va dans le tas, c'est pas fait pour après retirer. En gros, ça va dans le tas pour mourir. Donc, voilà, mais après, ça joue aussi très bien en mobilité. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Du coup, on part sur de la def, on part évidemment sur de l'égoïsme. On part bien sur l'intimidation, d'accord. Donc vraiment tout pour faire aussi des dégâts. Hein. C'est un tank qui tank, mais qui fait aussi des dégâts. Un peu de move speed, évidemment, un peu de soin. On part après sur tête froide. Ici, conquête totale, d'accord, pour faire des dégâts en moins. Counter-attaque, bien évidemment. Un peu rectification, d'accord. Après, ensuite, on part sur protection des flancs, si on se fait encercler. Bien évidemment que ça va arriver. Et après, danse encourageante. On finit après ensuite par volonté de faire. Voilà un peu pour Goresh. Skorgul, je voulais pas faire parce que pourquoi? Parce que c'est un second commandant, d'accord. Il est en second œil, donc le l'arbre talent n'est pas pris en compte. Et j'ai pas vraiment trouvé davantage. Bon, pour ceux qui veulent sortir en premier, en tout cas, j'en ai vu aucun open field. Donc, pour le coup, je vois pas l'intérêt de vous en proposer un. Mais bon, si vraiment ça je voyais qu'il y aurait à faire, en tout cas, je en trouverai un et je mettrai directement sur Discord, qui évidemment, les gars, en description de la chaîne juste en bas. Voilà un peu la liste des commandants qui sont plus joués avec tout leur talent tree. Alors évidemment, une partie, évidemment les talents sont mis sur le Discord. Il y a certains talent tree dont j'en ai parlé sur le Discord de ma chaîne qui sont déjà mis dessus. Donc allez les voir si vous voulez avoir d'autres talent tree en plus de ce que je vous propose en vidéo sur certains personnages. N'hésitez pas, il n'y a pas tout sur... Il y a une partie sur Discord, il n'y a pas tout non plus. Il y a certaines choses qui sont ici. Donc si vous voulez avoir un bon ensemble, allez voir sur Discord, vous avez... Du coup, toutes ces informations complémentaires en plus dessus. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a servi, si du coup vous étiez déjà tout juste au niveau des talents ou du coup vous êtes rendu compte de quelques petites erreurs qui auraient pu peut-être changer vos fights. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao.